La musique en live, j'aime bien, moi, par contre. J'avais l'impression qu'il se vidait quand il parlait. C'était très touchant. Vous dites, je sais pertinemment que dans toute l'Europe, personne n'a envie de voir arriver les migrants et pourtant, selon moi, chacun fait une erreur. Ma génération et celle qui suit doivent pouvoir se donner un peu de mal pour percevoir ces migrants. Il y a quelqu'un qui vous appelle. Ah ouais, c'est la honte, mais bon. Non, mais il n'y a pas de mal. Non, mais je garde mon téléphone avec moi parce que j'ai peur qu'on me le vole. C'est peut-être quelqu'un de l'autre bout du monde qui n'est pas non, même au même horaire connu. C'est un téléphone écologique, il ne consomme rien. Il ne consomme rien. Je ne dis pas que j'ai raison, je suis choqué du fait que nos dirigeants... Putain, excusez-moi, ça devient grossier là. Mais ça montre que la batterie n'est pas vide. On essaiera de savoir qui c'est qui voulait vous appeler. Ouais, ou quelqu'un qui vous regarde, qui se dit je veux le couper, ou je veux discuter de tout ça avec lui. Ou qui ne m'aime pas, je tiens à les remercier. Non, mais on va maintenant aborder encore une autre question qui est importante, ouais. Celle de l'écologie. Il était l'un des premiers lanceurs d'alerte. Et on ne les a pas écoutés. Et on ne les a pas écoutés. Et on les a pas écoutés. Et c'est vrai que c'est prophétique ce qu'il dit. C'est rien, c'est le téléphone de... J'ai pas le mien en tout cas. C'est prophétique ce qu'il dit et c'est triste. Olivier de Kersauzon, merci d'être venu, d'avoir fait cette petite escale chez nous. Et bon retour là-bas. Oui. Donner des nouvelles de temps en temps. Pas trop souvent. On peut l'appeler, visiblement, il est joignable. Apparemment, vous êtes joignable. Ben non, la preuve. Non, mais enfin, en tout cas. Il a répondu quand même. On saura qui c'est un jour. Vous nous direz qui c'était ce petit coup de fil. Moi, je regardais. Hein. Merci beaucoup. J'étais sûr de l'avoir coupé. J'étais vexé quand même. De l'urgent, du presque rien et du rien du tout. C'est à lire aux éditions du Cherche Midi. Restez sur France 2. Tout de suite, du cinéma. Telle mère, telle fille, avec Juliette Binoche et Camille Cotin. Puis, Le Code a changé, signé Daniel Thompson, avec Karine Viard, Danny Boone et Patrick Bruel. Passez une très belle soirée. Et à la semaine prochaine.